Salut Emmanuel. Ah Caroline, c'est sans dur quand même avec elle. Maintenant on va entendre le premier groupe de l'après-midi. Il s'agit de Valérie Leroy, Ludovic Goumand et Cédric Gouillet, tous les trois. Vous les applaudissez tous les trois très fort. Parce que celui-ci lui plaisait pas, il y a un truc qu'il a vu qui était pas bien, alors il va sur un autre. Et ça c'est un petit peu pour embêter son professeur, parce que tout était prévu, tout était réglé, et au dernier moment il change d'orgue. Quand vous voulez. Valérie Leroy, Ludovic Goumand et Cédric Gouillet. Très bien, parce que à trois, c'est trois fois plus difficile. Jérémy Richard, un grand bonhomme. Alors déjà, l'année dernière, il nous avait... Enfin, il ne jouait pas tout seul, il jouait avec son frère. Il nous avait fait un arrangement un petit peu particulier d'Oxygène, de Jean-Michel Jarre. Et cette année, il a un autre arrangement personnel sur une musique que vous connaissez. Vous avez vu, je pense, le film Le Grand Bleu, si vous n'avez pas vu, vous avez tout au moins entendu la musique. Et Jérémy a fait un arrangement lui-même sur la musique du Grand Bleu. Vous l'applaudissez très fort. Thank you.
C'est lui qui a écrit l'arrangement. Bravo Jérémy. Il y avait tout, il y avait le bruit des vagues, etc. Moi je m'y croyais. Christelle Thibon. Christelle. Voilà, vous l'applaudissez très fort, Christelle. Encore une fois, une des rares adultes qui joue aujourd'hui. Ça, c'est pour les autres, ceux qui ne jouent pas. Parce qu'elle joue seule, ce qui est bien. Et vous savez qu'il y a entre 20 et 30, comme vous dites, grandes personnes, qui font partie de l'école. Bien, l'année dernière, je crois que ça avait été déjà aussi une des seules. Elle avait joué malgré qu'il y avait une histoire, je crois qu'il y avait une sombre histoire de mobilette dans la deux chevaux, je ne sais pas qui s'était passé l'année dernière. C'était pas, il y a eu une histoire dans le genre. Mais malgré tout, elle avait joué. Et puis. Mettez-vous bien au milieu. Voilà. Je sais que cette année, elle a été déléguée, Mme Meunier, qui est avec qui elle est aussi absente. Alors elle lui a transmis tous ses pouvoirs. Et Mme Merenbach, cet après-midi, joue pour vous, Monalie Chedos. Vous l'applaudissez très fort, oui. Voilà, juste le temps de charge. Puisque je charge, pendant le temps que l'orgue charge la cassette, vous savez, ces petites cassettes, je vous rappelle que le bar derrière est ouvert, il fait bon. Si vous avez soif, juste après la Valenvac, il va y avoir Myriam, puis juste après Myriam, il va y avoir un entre en ce temps, si vous voulez vous désintéresser, c'est possible. Ça y est, c'est chargé. Voilà, c'est un petit floppy disque qui se charge normalement, le temps de que tout rentre, tout se met. Vous savez, c'est le problème de la technique. Hein. Ce sont des appareils qui sont très sophistiqués, qui ont des sons particulièrement agréables à écouter, qui donnent énormément de possibilités, mais c'est la technique, il faut que tout se mette en place. Alors, que vous dire? Oui, que... Vous aurez l'occasion tout au long de cet après-midi de nous entendre parler de différents niveaux. Niveau grade 5, grade 6, grade 9, grade 8. Alors c'est nouveau ça pour vous. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus profondément tout à l'heure avec Patrick de Chaussois et André Guevary. Mais sachez que maintenant, voilà, Madame Dominique Allenbach qui nous joue au Night Shadow. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. On verra bien. On verra bien. De toute façon, je suis sûr que. On en reviendra.
à jour. Et en plus, il y a quelqu'un qui touche les boutons qu'il ne faut pas, et il y en a d'autres qui lui jettent les fleurs. Vous avez vu comment ils sont? Quand ça va bien, même quand c'est pas bien, rien qui s'y met, il y en a d'autres qui lui jettent les fleurs. Tiens, d'abord, on va voir. Ah, oui, ça fait. C'est d'autant plus difficile à jouer que là, c'était vraiment lui et l'instrument, il n'y avait pas de trucage, il n'y avait rien. C'était le musicien et l'instrument. Alexandra Prognier. On l'applaudissait très fort, Alexandra, voilà. Sergio et Alexandra sont là en support rythmique derrière, et ils vont nous jouer les temps modernes. C'est tout à fait de circonstance. Il faut dire que ce morceau qu'ils vont jouer tous les quatre a été monté en une quinzaine de jours, à peu près. Ça s'est fait très vite. Alors s'il se glisse quelques petites imperfections, ce qui m'étonnerait beaucoup, eh bien, ne leur en veniez pas trop, parce qu'ils ont fait ça très vite pour vous, pour vous faire plaisir. Donc Stéphanie Gauvelin, Véronique Delette, Sergio Gomez et Alexandra Prognier. Dans un... morceau qui s'appelle Les temps modernes. Juste le temps de passer les différentes registrations. Pour l'instant, la technique suit bien. Ça ne devrait pas poser problème. Je vous ai dit, ceux qui dînent avec nous ce soir, je voulais, mais tout le monde n'y est pas allé. Donc vous pouvez encore aller voir Annick. Parce que, oui, Annick, juste derrière, voilà. Vous allez la voir, Annick. C'est elle qui a les petites enveloppes avec les... Voilà, Annick. Que l'on applaudit aussi, d'ailleurs, parce qu'elle a fait un bon travail. Merci. Que ferions-nous sans elle? Je pense que maintenant tout est prêt. Nous allons pouvoir entendre donc ce morceau, les temps modernes. Il y a encore quelques petites cartouches à mettre en place. Le temps de charger, ça va très très vite, rassurez-vous. Thank you.